ici, aujourd'hui, on a envie de vous montrer justement toutes les merveilles que vous êtes capable de réaliser. Parce que cette journée, c'est d'abord votre journée. J'ai pas pu m'empêcher d'être très émue. Tu m'avais pas prévenu que ça serait aussi fort dès le matin. Une explosion d'émotions. Très émue ce matin, voilà, par tout ce qui s'est passé. Ça m'a bouleversée de voir ça. Je le recommande à tout le monde. Aucune production humaine ne nous apportera autant que nous apporte chaque jour la nature. Et pourtant, nous sommes en train de la détruire. On a à relever le plus gros challenge de notre histoire. Chaque jour, on perd en moyenne 200 espèces. On a quand même atteint un taux d'extinction des espèces sans précédent. L'équivalent de 2 terrains de foot qui disparaissent toutes les 5 secondes de déforestation. Nous avons les connaissances, la preuve. Je peux plus partir à l'autre bout de la planète en vacances comme si de rien n'était. Merci à vous d'être ici. Je suis maman aussi, donc les générations à venir pourront avoir un avenir peut-être plus heureux. On m'a demandé de venir ici pour parler des jeunes, mais ça concerne pratiquement tout le monde. Je suis mamie depuis 3 mois et là, ce n'est plus possible pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous devons vraiment réagir. Et faire que la vie change un peu et que tout le monde soit joyeux. J'ai une petite fille de 2 ans et demi, on n'a pas envie de les voir souffrir. Je garde espoir parce que j'ai toujours cru en l'humain. Le sens de tout ça, c'est de redévelopper une culture de l'altruisme, de la solidarité, de l'entraide. C'est une invitation que je vous fais. Unissons-nous. On peut tous faire quelque chose là, maintenant, tout de suite. On dépend de personne. Il y a partout sur la planète des raisons de s'inquiéter, mais il y a aussi partout sur la planète plein de gens qui agissent et qui donnent des raisons d'espérer.